Monsieur Dame Tangwe Koki. Tangwe Koki, tokota na bozindo ya makambo na mboka na biso bandeko balanzi tola kisabino ke Peter Tiani oyo Lambert Mende fundaki na CESAC. Le CESAC a pris la décision de reconvoquer ce vendredi Peter Tiani na directeur de programme ya Télé 50 na ndenge a fingaki. Alors, ce vendredi, vous devez savoir que Bosembe hausse le ton et j'espère qu'il va frapper dur. Ah oui, Bosembe Lobaki n'a pas la masse équité, n'a pas frappé dur. Bosembe vient encore de frapper. Alors, je vais lire les communiqués dans cette émission. Vous allez suivre ça. Et puis, pour comprendre, Moussala Ndengeza Nakati, Yakota Mola en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a fait une tournée récemment. Dans deux provinces, si je ne m'abuse pas, il était à l'Équateur, il est parti également dans Kasaï oriental, précisément dans Mbujimayi, pour inspecter les travaux et consorts. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Bisika Toaleki? Comment on a trouvé politique ya Mokonzi ya Mboka? Comment Makambwebele est salémé dans ma province Wana? Chers Congolais, aujourd'hui, l'UDPS a été récemment na qui sent tout dans le Congo central pour na kosali samwa misala ya parti na bango. Le secrétaire général Augustin Kabuya a meki ko vendre sa parti to mbutu mbutu zakaka pende ko balandi makambo za belia ko lobela na émission oyo. C'est parti avec le président Gustave Lutumba to ko kota na bozindo ya ba polémique belé. Eh ben tout monsieur, vous avez ma réponse dans le lot. Ah oui, je sais de quoi je parle. Et puis vous allez comprendre. C'est parti. Président, bonjour. Oui, bonjour mon frère Stéphane. Bonjour aussi na baignon so balandarabiso na Edem TV. Ba oba sepela kanadio na biso oyo. Na profiter na présenter ba meilleur vœu na ngai na ba internet nyoso balandakabiso. Et pourquoi pas, naba ministre au bazali kosa la musala na bango très kitoko, loko la ba Didier Boudumbu, loko la mama Adèle, loko la Nicolas Kazadi, loko la levier Chibanda oyo ya défense. Et pourquoi pas aussi loko la ministre oyo ya EPST Tony Mwaba na ministre ya fonction publique liao en tout cas bazali ko sala misala malamu ba oyo peut-être ba kombo na bango na tangité c'est que naza vraiment marketé na ba misala bango ba sali parce que to comme na 2023 donc pour moi c'est une façon ko sala bilan aussi ya ba misala bango ba sali na PCP ba meilleur vœu na ba prof Kazadi Mukuna na pesi ba meilleur vœu na président du Conseil national de la jeunesse Isa William Kabila na bo sanité bongo le secrétaire général Augustin Kabuya na pesi ba meilleur vœu na ebele et aussi na pesi ba meilleur vœu na famille na ngai pe lokola meilleur vœu na Augustin Kabuya. Oui, na pesi ba meilleur vœu na le secrétaire général Augustin Kabuya. Non, na kona na tosa obika te na sauf peut-être batu bazolo bila yango parce que nous sommes de ceux-là qui respectent le statut. Voyez un peu, je suis cadre de l'UDPS et cela n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps que biso to respecta ka la hiérarchie du parti. Ce qui makambo ezali ko sala mala, monsieur makambo ezali ko sala mala mte, nous les respectons tout en dénonçant. Voyez. Mais batu mususu nde balingi ba mema c'est comme s'il y a une imposition vous devez vous fléchir na sens bango bazali kolobela yango ezali na sens wana te mais biso ezali na sens ya respect à statut. Dans le statut nous avons le président, nous avons le secrétaire général, nous avons le national, nous avons le fédéraux, nous avons le sectionnaire, nous avons le cellulaire, nous avons le membre simple. Donc voilà ce que moi je peux dire aujourd'hui. So na pesi mbote ezali na sens ligne ko lobela na te na to sobi ka keno na tosi pour na bika. Non. Nous respectons depuis longtemps la hiérarchie selon l'esprit ya statut na biso. C'est bon, je commence avec cette information concerne invitation monsieur c'est envoyé à monsieur Peter Tiani comme bazola illustré yango et pas à Gims, voilà.
le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, vous invite, conformément à l'article 62, alinéa 1er et 2 de la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil et l'article 87 du règlement intérieur du Conseil, le vendredi 13 janvier 2023 à 13h précises au secrétariat d'instruction 6, deuxième niveau de l'immeuble Likassi, place Le Royal, commune de la Gombe, pour présenter vos moyens de défense suite à la plainte introduite contre vous par le conseil de l'honorable Lambert Mende Omar Langa au sujet des propos le qualifiant de délinquant politique, des croque-morts ayant le sang des Congolais sur les mains, que vous avez tenu au cours de l'émission Kin Direct diffusée à la chaîne Télé 50 en date du 3 janvier 2023. Ok, aux alentours de 18h juste, le refus de présentation de vos moyens de défense vous expose à des sanctions plus lourdes conformément à la loi. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de notre parfaite considération. Maître Bossembe Lokando, Christian. Ah oui, Kinshasa, le 10 janvier 2023. Ah oui, vous avez compris, chers compatriotes. Merci. Oulandi, communiqué Oyo. Oyo, invitation à Tindeli, Peter Tian, à traiter Lambert Mende de délinquants politiques, croque-mort, Azana Makileba Congolais, la Maboko. Comment trouver des marches à ces sacs avec Christian Bossembe? Non, des marches à ces sacs avec Christian Bossembe, nada pour se pela nango makasi parce qu'on n'est pas allé directement à la justice, vous comprenez? On a commencé par l'organe de réglementation médiatique. Donc, Oyo Ezali dirigé actuellement par Christian Bossembe. Les journalistes, Esengeli a respecté déontologie, a respecté éthique. Mais le lo Oyo Bandeko Moussous, Bakomi Kosei, il a qui banditisme derrière le média. Bakomi Kosei, il a, je dirais, qui est un politesse, Moko Boye. Je peux dire encore le colonisme derrière le média. Donc, Adolaksa, comportement na Yamabe. Nanzela média et Sengeli ezala quand même nabato ba côté les mela pour réglementer parce que ezana bana o bata la ka télévision ezana bana bazo landa radio ezana bana bazo landa sur na internet donc ceux qui l'ont yebi ko réglementer en côté kozala ba problème et belé makase surtout qu'on s'approche vers les élections. Donc moi je pense que démarche ya Christian Bossembe ezali malamu et Sengeli a frappé vraiment dur pour na koyeba na ko mettre fin je dirais na cacophonie ezali trop surtout na chef ya certains journalistes oyo badai ko se permettre facilement ko finga bato vous comprenez sans raison délinquant boye au fingi kara mutu boye sans raison mutasale le côté pourquoi parce que on t'a dit va seulement et nous allons peut-être t'appuyer. Donc moi je pense que Peter Tiani azali na premier forfait na été a salango ba bala ebele. Et Sengeli quand même qu'on rappelait à l'ordre. J'ai aimé la conclusion que refi ya ko se présenter et ko mimaye peut-être na ba sanction mon ko très grave et moi je pense que sanctionner au sukara na CESAC et ko zala peut-être ti na niveau à justice parce que ce qui a boy ko koma na CESAC et cette fois-là c'est la justice qui va peut-être intervenir parce que la main amène d'Aruluka trouver gain de cause. Naba insanité ou ba porté sur lui, naba insulte selon lui ou ezali gratuite. Donc, au Senga, Nandeko Peter Tiani, aya naba preuve et puis a justifié ba parole na ou yuana Azali Koloba. Voilà ce que moi je peux dire quant à cette. Encore une juriste, j'ai vraiment, je sens vraiment que non. Au fin de l'Ika, et si ka pesa li kambouyali. Eh, si ka li kambouyali, il est vraiment, voilà, parce que moi, ni te rocha sentimenté. Mon frère, na yo, 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 yo. Batu Oyo, loko la babino moibo sala msala avec toute sérénité, avec
oh, je dirais tout patriotisme, peut-être vous n'avez pas la chance. Il y a qu'on bénéficie d'avantage au Bapitia qui est basali qu'on bénéficie. Hein, et le col a peut-être Bapiro, Louara ou basali qu'on bénéficie. Mm. Et moi, ce qui me tique, Ezali a comme on a peut-être que les gens qui insultent le chef de l'État du jour au lendemain, ce sont ceux-là qui sont le premier peut-être à bénéficier de la subvention. Mais ils ont choisi la lignette. Donc maintenant, basali qu'on bénéficie peut-être de la subvention, basali qu'on bénéficie de l'avantage. Cependant, ils ne sont pas là pour parler en bien, afin que les choses avancent, mais ils sont là pour détruire et décourager certaines personnes pour n'avoir ça la malamouté au bagage pour ça la peut-être dans le régime où il y a les présents Félix Antoine Tshisekedi. Bon, nous sommes tous le bagage que nous allons la liberté d'expression, mais je sais que la liberté d'expression est calée par le respect à ma bonne mère et ne pas troubler aussi l'ordre public. Voilà ce que moi je peux dire quant à ça. Mais qu'est-ce qui explique Alinguetit avec Fati en même temps il est avec le garçon ou le journaliste au bazar Moïse Katumbi na ba Olive Lembe na ba to kinakati nyonso ba petit nyonso o ya Olive ya kinaria ya Kabila bazaka kana Alinguetit. Comment expliquer? Il traite avec uniquement Batro Baza contre Bosnaïe. Dans le d'abord, on a deux volets. Premier volet, c'est peut-être que Luka a unifié tout le monde tout autour de lui. Ah, il a unifié tout le monde. Peut-être. Il a peut-être. Mais deuxième volet, dans le sens, c'est peut-être que non. Il a mettre Bango Pembeni na yepo na ba bete été sur ba buzo be monani. Vous comprenez? Étant donné que l'autre jour, quand il y a un AVZ, selon les informations, il y a un AVZ, il y a un BTP, il y a un Alinguetit. Mais est-ce que y a un BTP, il 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 y a un BTP, est-ce que Bazali côté les mêmes Kambouana? Bazali côté les mêmes côtés, pourquoi? Parce qu'ils sont avec lui, ils mangent, ils dansent. Il y a un bon moment dans le lobby qui est pour vous, peut-être, il y a un Anglami, il y a un. Mais ça fait très mal maintenant à ceux-là qui ont lutté d'abord hier dans l'opposition, qui ont été peut-être manipulés, massacrés, ou la liberté n'a pas été restreinte par le régime précédent. Mais aujourd'hui, ils continuent à très bien communiquer, à faire un bon travail pour les régimes en place. Mais malheureusement, ils ne se retrouvent pas. Et Zalinde, Batu Oyo, Bazali Kobundisa, les régimes qui se retrouvent peut-être dans le sillage net, il y a IGF Wana, Pessi Bango, chargé des communications, Salaraboye. S'il y a des rencontres, je peux aller même plus loin. S'il y a des rencontres, ils arrivent à IGFT. Au moins, avant même attendre le Premier ministre, rencontre M. Salaraboye. Au Luki Penda, les médias ont pété un pro-gouvernement, Zalina Bango Mouké. Mais les anti-gouvernements basali et belé sur Roussani et ils touchent plus que même le pro-gouvernement. Tout ça, la Koboni. Tout le monde a la gare à des fois, on a mis sous, mais c'est les futurs qui nous en diront plus, peut-être. Ok. Et où ça, la passe, Sindeko? Ah oui. J'ai l'impression que Katumbi n'a pas tout naïe, bah, tchébino mal à l'aise. Non, Katumbi n'a pas tout naïe, bah, tchébino mal à l'aise. Pourquoi? Parce que Batoyo, bah, aux Alamans, la laisse. Ils ont les gens qui ne connaissent pas Moïse Katumbi, qui ne connaissent pas l'histoire de Moïse Katumbi. Mais les gens qui ont parlé avec Katebe Katoto, les gens qui connaissent très bien Moïse Katumbi n'ont peur de rien parce que Moïse Katumbi a quoi influencé Bissonanine. Il est comme, je dirais, tout étranger qui est en République démocratique du Congo. Et quand on part aux élections, Moïse Katumbi, parce que lui-même avait très bien confirmé qu'il est congolais parce que sa mère a été enterrée ici en République démocratique du Congo. Donc, il est devenu congolais par circonstance. Du fait que sa mère a été enterrée ici au Congo, d'office, Moïse Katumbi est passé congolais. Ici. Mais il a dit ça. Mais il a dit ça. Suivez même le langage. Il y a Francis Kalombo. Abotami Awa. Non. Abotami Awa, on a trois endroits différents. Abotami Awa, on a trois endroits différents. Non, c'est la logique. Les lois au Congolais. Azali Soussou quoi accepter te ba manipuler pour l'argent parce que Kabila avec l'argent avec des polos, il nous avait manipulé aujourd'hui et il a une frustration rwandaise dans notre pays. On en a payé cash parce qu'il y a certaines personnes qui couraient derrière l'argent de Kabila. On a souffert pour ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui les Congolais là, bah quoi accepter kaka un Moïse Katumbi Moko Boye qui lui-même a une nationalité zambienne
il a un passeport zambien, il a une nationalité italienne, il a un passeport italien, il a un passeport grec. Et il y a même son fils qui est ministre en Zambie. Écoutez, il y a certaines choses autres que le Belayango sans sentiment. Si le frère de Moïse, le fils de Moïse Katumbi est ministre en Zambie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Moïse Katumbi, c'est un Zambien. C'est que le fils de Moïse Katumbi a des arrière-parents ou de parents, ou soit des cocos qui sont des Zambiens. Soit logique, on se le dise. Des cocos qui sont des Zambiens. Mais oui, qui sont des Zambiens, qu'on se le dise. Cependant, le papa de Moïse Katumbi, lui-même le reconnaît, fut un Grec. Il n'a jamais été 50% Grec, 50% Zambien, non. C'est sa mère qui a eu la tendance zambienne. Donc, si son enfant est là, c'est parce que son père a des ramifications avec l'originalité, je dirais, zambienne. Donc, Nabisika Obaroko Sabisote, Mutuloko Langa Gustave Lutumba, je ne peux jamais être agité parce que je sais qu'il y a des Congolais, bien qu'il y aura aussi d'autres Congolais au Katanga, parce que je sais qu'il y a d'autres Congolais au Katanga, je ne parle pas de tous les Congolais, d'autres Congolais au Katanga qui sont facilement manipulables, qui donnent des nationalités à n'importe qui, nationalité congolaise à n'importe qui devant l'argent, même un chef coutumier croupit, fléchit et accepte d'appeler quelqu'un qui n'est pas congolais, congolais. Malheureusement, les vieux Kungwa Kumwanza Dayaki, mais avant d'ailleurs, c'est la réponse de la vérité. Tout le monde en a Congo, pour la première fois, ma passe à mi balé. Mais on a botami n'amboka moussousou. On a botami n'amboka moussousou. Nous en a parce qu'il y a eu certains de nos frères, Katangé, Oyobaza, qui manipulables devant l'argent et ils ont cédé. Mais coup de chapeau n'a pas Katangé au bazar manipulable. Et coup de chapeau n'a pas. Je sais qu'il y a des Katangé qui ne sont pas manipulables et qui ne vont jamais accepter que Moïse Katumbi ayako bina likolo ya zolo na bango. Je vis des sorties au moins à Moïse Katumbi. Na cortège, regardez comment il a été humilié. Il n'y avait pas une popularité. Il n'y avait pas plutôt une population. Oazala qui n'a simanaye pour na kulande na babuzo banaye. Par rapport à Moïse Katumbi, Oazalaka à l'époque, il y a Joseph Kabila, Oazalaka gouverneur. A Nyokola, Bakatange, a s'appropriaka, on a entreprise minière Nyonso, et comment a eu Moïse Katumbi. Non, écoutez, je m'excuse. Ba Congolais à Katanga, tout ce qui a été aventi. Ton dimaka a été pour un sentiment moroboye, ton moutou moroboye. Ramasser de quelque part, je ne minimise pas. Bana oye ba botami na ba bon, je ne minimise pas. Parce que moi, je suis rosa la botami na yena boy, mais azali moi na yena denga. O botami na boy, mais il faut zala boy congolais. Papa ou a boti su aza congolais, to bengi yo congolais 100%. Mais yo botami na une bonne zambienne qui était venue travailler au Congo, en République démocratique du Congo. Et d'un père pécheur qui est grec, n'a mystique moro karaboye, on dit mato benga yo congolais ou ya ko postile à rien. Yo kan place soin. Olobi, maman na yazaki bon. Ala est bon. Tout n'a ka tebeka toto. Ok. Nazo plus à ce que question moro place soin. Ndeko Gustave, ta mousso si yozana maele ma kasi nana zanangote. Tu ba nan ndeko. Ouais. Mais na yo ka hake balobi, baloba Katumbi yazaka prince. Azam on a famille royale non? Mais la famille royale on est wapi? C'est quoi princesse Azoya Rosala Musala Nanda pour Bakatebe Kato? Nanzo le banayo princesse Azoya Rosala Musala Nanda pour Bakatebe Kato. On peut t'appeler prince, princesse, mais tu ne le pas. C'est-à-dire obimi na famille moko oyo descendance na bango bazala qui occupe royauté moko quelque part. Et comment ça n'a pété que qui royauté à cette époque-là, et cela est au fond d'un bon coup, tu bénéficies tout. Vous savez qu'un chef du village, Nambo Kakuna, c'est un roi, va bien à Kayen Fumouti. Un chef du village, chef à secteur, Nambo Kakuna, va bien à Kayen Koumou. Mais recommande un chef à secteur, Sotali Boyfenda, qui est malheureux. Moi, je viens de Mbushimaï. Je vis certains chefs coutumiers là, bah chef à secteur, bah chef à village, bah chef qui a banini, mais moi, le temps, je suis là, pas en bazan, à un côté. Et peut-être que maman Moïse Katumbi,
Azala qui loin d'être à cause de la reine, topé princesse, Azala qui loin, loin plutôt, y a cohérité, je dirais, royauté wana. Tant ça voyait cause la bah dixième, bah vingtième mois donc état là qui était. Pas si peut-être des salariés aya ko travailler loko la oui de Gustave bozo changa sko na confusion boyo que la nga pe mawana za pe mona mo tozo ke la mawana za pe na babote mais face à vérité c'est ce que je dis j'ai aussi des parents so qui te ke le ma s'appelle Martin Kang et moi le loufou et ma mère c'est Rose Mujinga Mianda so qui te lobito ke la mawana face à vérité c'est que toi que la pe Moïse Katumbi ma ya ngonde zo mama te plus que bozo changa na confusion. Ce qu'on a dit, c'est que nani mobi qui si à Congo. Yoka. Katumbi récemment à lobby, moyen à zoa retraite politique exacte pour mboka eza gouverner malamouté, il est sauveur et la population eza la misère. Wana Katumbi. Maman Olive, pe nanga mousso sur lobby, c'est Joseph Kabila, son époux, qui est le sauveur de la République démocratique du Congo. Nani vrai sauveur. Beaucoup pensent que la mission va sauver mais balé ou anaté, bah y'a que sauver Congo. Bon, au moins on dirait bien eu des personnes beaucoup mieux. Non, je voudrais vous dire une chose. Moïse à un moment donné, il a été appelé sauveur. Moïse, le sauveur. Jean-Baptiste, bah ben gars qui a été le sauveur, bah monsieur va confondre avec un Christ. Aujourd'hui, Joseph, il y a Bible, il y a une histoire en Égypte, mon Jacob. À un moment donné, il a été aussi appelé le sauveur. Samson aussi des mêmes. Mais Moutoué Kobengama Soukanaba Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a sauvé l'humanité. Vous comprenez? Joseph Kabila, oui, il était le sauveur. Mais le sauveur des Rwanda, République démocratique du Congo, pour massacrer et tuer les Congolais. Aujourd'hui, qui a déstabilisé les institutions de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas Kabila? Mobali Olive Lembe, non, c'est logique. Qui nous a démontré à l'œil ni comme ça comment on tuait les gens? Tobetama solo ya Kabila na mboka oyo. Muto abetama solo ya Kabila na mboka oyo aloba Kabila za malamu, muto na so talé bien. S'il n'est pas sorcier, il a la sorcellerie inconsciente. Parce que muto normal ne pouvait jamais applaudir Joseph Kabila. Et loko tori ko applaudir Kabila na mboka ezara eloko moko. Il a accepté que le Congolais n'avait pas voté Emmanuel Chadari. Il a accepté avec facilité à concéder pouvoir. Parce que na ba esprit azalaka na yangwana na ba 2006 ba 2011 ba 2012 ba 2013 na ba 2016 nous savons comment les gens ont été tués ici rien que parce qu'ils réclamaient les élections et le départ de Joseph Kabila. Mais cette fois-là, il a accepté. Les biens on n'a reconnaît pas Kabila. Kabila n'est pas le sauveur de ce pays. Au contraire, c'est le premier tueur de ce pays. Mobutu avait tué, mais c'était à moitié. Mais la personne qui a enterrer le Congo, la République démocratique du Congo. C'est Joseph Kabila, Mobali, Olive Ulembe. Donc, babette la rabbin, le quand tu vas nous rebêter là-bas, n'a pas qu'il nous bête en Rwanda. Pas ici en République démocratique, qu'on peut tout comprendre par la réalité. Moïse Katumbi n'est pas le sauveur et ne sera jamais le sauveur dans ce pays. Il dit qu'il pouvait prendre sa retraite politique si Félix Tshisekedi avait très bien travaillé dans ces pays. Non, c'est logique. Quoi. Moïse Katumbi était dans le gouvernement. Les chérubins auxquels des qui ont été appelés, qualifiés des voleurs, des détourneurs, par le secrétariat général et le ministère des Transports, à outil d'un parti politique. N'est-ce pas Moïse Katumbi? Non, c'est logique. C'est logique. Katumbi a dirigé les Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait de Katangé? Katumbi a beaucoup tué, a détruit le Katanga. Katumbi a volé les minéraux ya Katanga Katumbi ba wela na Joseph Kabila nini makambi ba minéraux. Non, Katumbi n'a pas de leçons aujourd'hui à nous donner. Moi je lui dirais peut-être s'il veut perdre la politique, il n'a qu'à aller en Zambie où son fils est ministre, il n'a qu'à aller peut-être en Israël, en Grèce où son père est là, il n'a qu'à aller soit en Italie, mais en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi Azalokola, ba chinois au lelo, ba bénéficia nationalité congolaise lelo parce que babalana mambweni, babalana mpasi, babalana x y ko, ba do pesete liboso na biso pe to tcha bango kate. Un autre exemple, la femme de Moïse Katumbi est de quelle nationalité? Non, je ne sais pas, je n'ai aucune confirmation. Merci beaucoup. Regardez la femme de Moïse Katumbi, elle est de quelle nationalité?
puisque on ne veut pas aller peut-être à la xénophobie. Mais tout le monde, il sera esprit au mutuazanango. Il n'a jamais aimé les Congos, ni les Congolais. Et même quand il était derrière Mazembe, c'est lui qui bénéficiait plus de Mazembe. Avion attend les hommes et maraba joueur à Mazembe. On a remarqué maraba joueur à Pam. Et Mazembe avait la majorité. Et maintenant, quand on a vu le coup de l'ézo, il m'a dit qu'il était comme Alibanda. Vous comprenez? Et m'a ébélé qu'il était Alibanda. Moutoua y a qui le lot à Boma, même à l'équipe nationale, la société qui c'est Moïse Katumbi. Mazembe avait. Parce qu'il a utilisé plusieurs internationaux. Vous comprenez? Plusieurs étrangers par rapport à ba loco. Vous comprenez? Et s'il trouve qu'il y a des joueurs brillants na équipe na biso local awa akobenda e aye avant d'ici na Mazembe joueur à Betaraba l'été joueur à Komara avant d'abord ti a aussi la performance. Donc aujourd'hui j'aimerais vous dire que Moïse Katumbi n'est pas le sauveur ni Kabila. Le sauveur de la République démocratique du Congo c'est Félix Antoine Tshisekedi. Moto a même biso le oyo tokota na gratuité de l'enseignement. Moto a même biso le oyo to découvrir que avec Kabila il y avait au moins 800 000 fictifs oyo bazala qui na carte d'administration publique. Au bandeau collier bambo on a bango et kendo fele. Félix Tshisekedi le sauveur de l'humanité, c'est lui qui a valorisé notre armée aujourd'hui. Félix Tshisekedi a lutté pour la lever il y a embargo on a vu sur l'eau et aujourd'hui on achète des armements pour nous équiper armée nabiso. Félix Tshisekedi a lutté pour qu'il y ait la programmation militaire nakati ambo kanabiso, chose qui n'a jamais existé à l'époque de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a haussé le budget de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars aujourd'hui. Nous avons des réserves bancaires. Non, soit logique, il y a les constructions qui se font partout aujourd'hui. Donc, là, il y a que le sauveur de l'humanité, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Bien que Batrou et Zala Kebele, je suis d'accord. Batrou et Zala Kebele. Et le président Félix Tshisekedi, malheur n'a Zali, il travaille avec les gens où il y a la même vision n'a été. Il a besoin d'aller vite, mais il y a d'autres qui ont besoin de ralentir. Je peux vous donner l'exemple, même dans le programme, il y a 100 jours. Bon, mais ralentissement n'est outé. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui avait voulu les ralentissements? Non. Les gens à qui on avait confié les responsabilités voulant se trouver, dans le majoir. C'est-à-dire, Mbongo et Bimi, ou les Bassala Moussa, Mbanda ou Damendam, les Bassala et Moussala, ils allaient retarder aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pas dit, le président Félix Tshisekedi, c'est lui le vrai sauveur de la République démocratique du Congo. Mais au Yébi, chemin, il y a Yezu Masia pour que l'humanité bénéficie du pardon. Il fallait qu'à l'éca, dans le chemin de la croix, moi, ba Fimbo, moi, ba Sete, Akoufa, Azala intérêt, et na Simanango, Azala ressuscité. Récemment, Madame Oliva dit, Bofinga Kabila Mingi, est-ce que vous pouvez nous parler en termes de Oyobino Bosali, Oyo Kabila Salate Namboko? Très bien, merci beaucoup. Oyo Kabila Salate Namboko, la première des choses, c'est la liberté d'expression, de 1. De deux, la considération de l'armée, ce que Kabila n'avait pas fait. Le président Félix Tshisekedi fait confiance dans l'armée et puis on traque les infiltrés. Cependant, Kabila nous avait amené des infiltrés. Le président Félix Tshisekedi a lutté pour la levée et embargo de l'autorité sous embargo, régime et notification, puis Joseph Kabila a la cause à la tête. Le président Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, Ache Trans Academia au Kabila Tikala Kosalate. Amener biso gratuité de l'enseignement au Kabila Tikala Kosalate. Amener biso projet à port eza en exécution en eau profonde au Kabila Tikala Kosalate. Bacheli biso ba jeune au lolo ba komi pe na fierté à Kolbake. Non, nous avons un président qui considère la jeunesse aujourd'hui. Nous avons des ministres jeunes, nous avons des mandataires jeunes. Nous avons les administrateurs na carte administration publique au bazali ba jeune. Oyo Kabila atikala je dirais ko sale la biso ngote. Le président Félix Antoine Tshisekedi lelo oyo ayé ko ressusciter ba trafic ferroviaire. Oyo bandai ko sala maté na nzela ya intérieur ko banda ko zo ba province lokola ya Kasai ko zo ba trafic lokola na Bakatanga. Oui, bandai ko sala maté n'époque ya Joseph Kabila, ça s'est fait aujourd'hui n'époque ya Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le président Félix Antoine Tshisekedi, il a des très bons projets pour le peuple congolais d'une manière générale. Soro kei na Équateur,
je pense que Namboka, il y a Jean-Pierre Bemba. Banda époque, il y a Mobutu. Courant, il tigala jamais Kozala. Mais avec les présents, Félix Antoine Tseke du courant et Zali. Au Kenya Équateur, précisément dans Bandaka, il n'y avait pas la lumière, l'éclairage public et Zalakate. Mais je l'ai vécu à l'époque de Félix Antoine Tsekedi. Le gouverneur Bobo qui est là, c'est un exemple. C'est un témoin. Dans le long, on a eu Koloba que le président Félix Tshisekedi a construit des routes, il a même des programmes de rentrer d'abord dans l'université de Kinshasa. Bébé, comme Zalaka n'a été à délabrement, Zalaka a rejeté. Mais avec le président Félix Tshisekedi, on a réfectionné même les auditoires. Le président Félix Tshisekedi fait en sorte que un fonctionnaire congolais. Salaire n'a qui t'a raté, mais salaire n'a et mataka. N'importe qui a Joseph Kabila, chose qui ne se faisait pas. Donc j'aimerais vous dire que le président Félix Antoine Tshisekedi a beaucoup fait, même dans le domaine de l'infrastructure. C'est ok, dans l'intérieur de ma pays, il y a eu plusieurs nouvelles routes construites. Au n'importe qui a Joseph Kabila, ils ont raté plusieurs ponts construits. Au n'importe qui a Joseph Kabila, ils ont raté. Bref, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire. Prenons le cas du stade de Martyrs, le OP, Zali Kolate, Lamba, Nangwa, Sikaba, Kitezo, qui est presque partout. Stade Mobimba, qui est dans le stade de Kenya. Oh, Wapi Moïse Katumbi a préféré à ça la stade privé, na Mbongo Kota, na poche, na ye. Mais avec le président Félix Tshisekedi, stade Frédéric Kibasa, stade de la Kenya, oh, Bango va négliger ça, le Lati Lamba, Sika, le commis fierté. Donc, le OP, oh, je m'excuse, nous pouvons dire que Tokoki peut organiser Coupe d'Afrique, parce que nous avons des stades qui répondent aux normes, je dirais, demandées par la FIFA. Donc, Félix Tshisekedi a fait beaucoup par rapport à Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'était pendant 20 ans, mais Félix Tshisekedi, pendant 4 ans, bientôt 5 ans, il a fait. Oui. Ah, Seigneur. La bonne sanité. Et là, comment ça? Félix Tshisekedi. Azotonga le plus grand bâtiment dans Congo Mobimbe Ezate centre culturel kendo tala. Ah, donc il veut valoriser même la culture. Donc artistes, musiciens, comédiens, tout le monde a qu'on s'est retrouvé l'art et bandokota. Fati n'est pas comme Joseph Kabila. Fati est exceptionnel, c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un amoureux ya Congo na biso. Fachi Beton, qui ne retourne pas à Bongisi Mongaliema. Oh, Kabila ya kuta batonga yango kokata ro bongisa te. Mais Fachi Beton Bongisi Mongaliema. Kende na ba camp militaire. Tala ba ba hôpital, ya ba militaire. Tala ba condition obana na bango classe bazotanga. Papa Tika, Tika. Fachi est en train de travailler. Mais Joseph Kabila, aïla biso ba avion ba sombele biso na matata mponyo. Trois avions. Le l'autre monde a des avions à la rate. Le monde qui m'a vite en a mousé Laurent Désiré Kabila et Fana Nazamba. Mais là, il y a épave. Épave. Félix Tshisekedi n'est pas comme Joseph Kabila. Voilà. Donc, on a la réponse. On a comme une assurance. Dans le monde, on a l'assurance. Réponse, on a pèsé dans Olive Lembimbala. Donc, maman prophétesse, Yabila Kelimabe. Parce que m'tan laquelle laquelle Emmanuel Chadar, moi Emmanuel Chadar a bandé son autre qui ne cause en roulette. Donc il y a une belle élection. Bilakeli mabe oh y'a pas chondo baba Olivier Mbachara et Wanana Gisangan. Non, assemble la ponaye. A baiser bembe. Hein? Mais n'abîme t'as baiser bembe. Assemble la ponaye. Assemble la ponaye, finalité c'est la rani. Et soukama solo, a baiser bembe. C'était l'amour qu'il a témoigné en Chalamouana. Non, ce n'était pas de l'amour. Nous sommes des Bantous, ce n'était pas de l'amour. Talara, attitude, ya Zalara na yango. Liboso serke yuana. Bino bouye na matanga Chalamouana te. Te biso te na matanga Chalamouana te parce que bimé à l'improviste, nous étions en Bandaka. La population, oya Zalagi na posé le président Félix Tshisekedi. Je ne dis pas que Chalamouana n'avait pas de la valeur. Elle avait de la valeur en tant qu'artiste. Mais écoutez, c'est en logique. Soyons logiques. Le président avait déjà programmé son voyage depuis longtemps. Quand il y a Tshalamwana et Kobima, malgré que Benda Nezalagi n'a quatre familles, et Kobima, le président Félix Tshisekedi a déjà Kuna dans Bandaka. Parce qu'il fallait quatre missions dans Bandaka.
bah projet azala ki nango ya bana mbandaka parce qu'il avait il devrait lancer l'opération ya enrôlement kuna na mbandaka donc akate yango azonga kaka mutasha kufaki na yezo lobi laisser les morts enterrer leurs morts. On n'avait pas de choix, on n'a pas négligé, mais coïncidence azala que côté au corne zobima le président Félix Tshisekedi azala ki déjà kuna na nini na mbandaka voilà. Oui. C'est bon, tout le monde est là. Pour nous, nous dirons que la pomme ma casse. Tout le monde est dans le bandaka. Vous savez que dans le bandaka, je vais faire face au public. Comment tu as trouvé le bandaka? Le bandaka est dans le bandaka. Le bandaka, d'abord, tu as lumière, bien que le gouverneur avait des confusions. Il y a courant dans la lumière. Mon frère, je vous dis que nous sommes restés là pendant 4 ou 5 jours. Les avions n'atterrissaient pas. Pourquoi les avions y étaient ? Parce qu'il n'y a pas des activités économiques là-bas. Mais il n'y a pas de trafic. Maintenant, les patrons, les expatriés, parce qu'il n'y a pas de courant. Bandaka, Mobutu, Kabila, Bache, Ango, courant. Mais le président Félix Tshisekedi a eu un projet avec Anser pour na batia courant kuna. Voyez un peu. Et aussi on a l'air na profiter na eloko pour na koyebisa na chef de l'État. Nous avons une entreprise OECA. Ba so la rappel déjà na chef de l'État. Mais ba tout ba isola yango. Cette entreprise là a joué avec ses propres moyens. Ba contacta ngai. Ba joué avec leurs propres moyens. Ba on s'est rambon na gouvernement. Donc le gouvernement ne doit que signer. Accepté. Bango ba na ba matos na bango. Dans 10 mois, nous avons l'électrification. Il y a la province Nabisso. L'électrification à la province Nabisso. J'ai dit bien dans 10 mois. Et cette entreprise a parlé à l'époque, c'était en 2019, avec le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est pilara na projet en amen. Bagumbango, le chef a beaucoup de problèmes. Bakomako Gumbagumbango. Parce que, Walingi, pour ce projet, avec les kilas, il faut payer ça en 3 millions. Avec les gars, il faut payer ça en 2 millions. C'est 3 millions, 2 millions, ils ont été projetés. C'est pendant que la population est en train de souffrir. Nous avons un deuxième projet, Oyo, avec 150 000 dollars. Hein? Population, je donne l'exemple, population net, il y a Lukunga Mobimba. Bazu Maya Komela chaque jour. J'ai dit bien Maya Komela chaque jour. 150 000 dollars. 150 000 dollars, on va me soubasser la Jeep. On va nous soubasser la bassine avant tout ma camion avant la Jeep. Mais district Mobimba koyi komela Maiwana avec 150 000 dollars. Nous avons ces projets-là. Ezali. Ezali Koukoumate, Ezali. Mais ce ben va projet le lengwana, bah écoute en sabino. Et moi j'aimerais au conseil dire au conseiller Bazali Kolandanga chef de l'État. Et si le chef de l'État a koyo kango, nanzela il y a une mission Oyo. Nous sommes là avec ces investisseurs là. Ils cherchent comment venir pour nous investir. Et dans le temps Oyo, nous avons la possibilité à couper sa population, de payer maï, de payer na courant avant qu'on arrive au mois de novembre. C'est faisable. Comprenez un peu. Alors, nazolo ba parce que tout n'est pas comme il y a mbandaka. Na mbandaka, j'ai trouvé que il y a un problème, il y a maï, il y a un problème, il y a courant. Et puis maï ya mbandaka sozo sokola ngo kanga mtema. Na le sa yo, na sokola pendant 2 jours muku sana nzoto, il aurait fallu o melabana melaba antibiotique. Il aurait fallu na somba ba mikoze ma pono banda ko pakola je vous dis maï ya ngo moko ezobi ma couleur. N'es-tu moins rouge? N'es-tu moins jaune? Et c'est ce qu'avait dit un jeune devant le gouverneur, devant le chef de l'État. Abimaya tozana ngoma eza jaune. Kuna maya comme les fois son baka maya bidon. Et puis maya bidon ngo combien? Bouteille eza ana 500 francs, kuna eza na 2000. 1500. Oye eza ana 1000 francs, kuna eza na 3000. 3500 francs. Deux fois par jour, au Sumbaramaïa. Mais le chef de l'État promet que le courant n'a pas. Parce que depuis l'industrialisation, ils ont le courant n'a pas. Ce courant n'a pas, ils ont les industries et Koya. Ils sont industries et ils ont mis ça tout. Et ils ont influencé Mandakoya, ils ont mis ça tout. Ils ont mis ça tout. Ils ont mis ça RVA ya kuna et Mandoko Tsambo. Donc, ils ont mis ça tout. Ils ont mis salon VIP ya RVA, mon cher. Tika. Tu as un très joli plateau. Moni, plateau na haut, c'est ok na ngokuna. Et Robi Maloro la
salon d'honneur, il y a États-Unis d'Amérique. Mais je te dis, j'ai dit que Kabila est méchant. Oh. Mobutu est méchant, je vous dis. Nini. Mais non, oui, ils se sont servis de cette population, mais bah, ça n'est pas le cas. Et il y a ma benga na mon ezani. Parce que après Mbandaka, Nakiti, Nakinshasa, jour, Moko, les jours suivants, nous sommes allés en Mbujimayi. Erreur, on a trouvé dans Mbandaka, maladie, on a trouvé dans Mbandaka, on a trouvé en Mbujimayi. Dans quel sens? Les gouverneurs, Bazo Lingaba, a plané Nzela, ba rambler Nzela, seulement quand le chef de l'État arrive. Donc, Balingi, ton chef de l'État, Zoya Kouta Kenon, Makambo, Eza bien, Mbok, Eza bien, mais peuple n'a souffre, car ce chef de l'État Kéi, peuple n'a dit qu'on y a comment. Quand le chef de l'État arrive, bah, ça les fonds alimenter courant, voire même il y a un groupe bah, alimenté en gros. Mais quand le chef de l'État part, Moulili, je vécu ça en Mbujimayi. Quand le chef de l'État était là, il y avait du courant. Quand le chef de l'État part seulement comme ça, Nassimantoubani, on l'a Moulili. Est-ce que c'est normal comme ça? Est-ce que ces gouverneurs, là, on a besoin de comprendre que la population là dépend du chef de l'État? Est-ce qu'on va se comprendre? Et que cette population ne dépend pas de la gouverneur. Dans quel sens? Ils ont élu le chef de l'État. Ils aiment voir le chef de l'État satisfaire Bango n'a besoin de Bango. Au nom, et non, et comment que si le chef de l'État est là, semblant, il y a au moins un comme là, semblant, il y a comme on a courant, semblant, il y a comme on a Bamaboulou et Zatelantela, mais quand le chef de l'État part, c'est, je dirais, c'est la récrédescence. Il y a pas sur Bango Bandai qu'on vivre des bandits les sous. C'est un mauvais esprit qu'il faut chasser avec force. C'est ce que j'ai déploré dans Mbandaka, ce que j'ai déploré aussi en Mbujimayi. Et moi, j'encouragerai le chef de l'État avant qu'on arrive même au mois de mai à ça là-bas tourner dans la province de Bélé. Parce que je comprends comme s'il y a certains conseillers, comme s'il y a certains gouverneurs au Bako Sakai. Bako Sakai, oh, t'es ma cambezo qui est bien, ma cambezo qui est bien. Et puis que tu es un banzela, il fallait être un banzela, un maté. Chef de l'État, comme je voudrais vous le dire, hein, il était vraiment choqué. Non, je ne sais pas. Il était choqué. Le chef de l'État, il fallait être le samedi, na Kabeyaka Mwanga. Nous sommes allés. D'ailleurs, il faut que nous on a fait 2 heures du temps du Kola Moto Nanzela et Maboulou. Mou Congo, pas si. Nous avons dit que Stéphane, nous avons dit que nous avons. Et on arrive là-bas tellement que la route était impraticable. Le gouverneur a commis qu'on ramblait route. Mais le rôle en Zamba, il y a aussi un peu de touche. Le programme n'a pas été parce que ma boule n'y a pas. Et Simba qui était par rapport il y a temps. Donc, il y a eu un peu de chef d'État. Il y a un chef d'État qui était parce que l'équipe d'avance a informé que non, il y a un peu de temps. Et le chef est allé là-bas le lundi. Donc, ils ont fait ce travail-là. Les samedis, les dimanches, bah, rembler rapidement. Et le lundi, le chef de l'État est allé à Kabeyaka Mwanga pour inaugurer centre communautaire Oyo, à Tongeli, population à Kabeyaka Mwanga. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quand le chef de l'État répare, il y a ce fan. Bah, matériaux, oh, il fallait qu'il y ait. Il y a un bon moment où il y a un bon moment détournement. On a détourné l'argent. Pourquoi? Parce que misala il fallait que ça m'en a délé moro mais délé wana l'équipe a moni misala et ça la matin ils n'ont pas vu les engins. C'est pendant la vidéo bande coco ça nous sauve engins comment qui et pas plus tard qu'avant-hier j'ai vu le image vidéo attestant que bah matériaux oh et kanga maki na Dar es Salaam et consort musu ya yokota na train pour na eya na Kasai oriental. Et à Roussa, la misala, on a. Est-ce que c'est normal? Il aurait fallu seulement que le chef de l'État descende sur le terrain pour que tout le monde ait mis ça s'accélérer. Ce n'est pas logique comme ça. On doit aider le chef de l'État. Le chef de l'État, lui seul, ne peut pas travailler dans toutes les 26 provinces. Il a ses ramifications, il a ses relais, il a ses bras. Oh, Basengeli! Va concrétiser les alliés visionnaires. Quand il parle pour une province, il en a dit dans Mbandaka. A Yébissi, le gouverneur de l'Équateur. Alors, il y a un gouverneur de l'Équateur, tu es mon représentant. Donc, c'est toi le Félix ici. Tu dois faire tel que moi je veux.
Et tu ne dois pas déranger la jeunesse. Jeunesse, c'est ça qui est dans la vie. Donc, j'ai voulu juste vous dire que Namo Bembo Mibale Tosali, nous avons compris que ma gouverneur, Badoko sera des fois le chef de l'État par rapport à l'avancée à Misala. Et ma conseiller peut-être au chef Badotin dans Nansela, on a Badoko sera fait chef. Non, chef, en tout cas, Moussa les Sili Kalami était aussi là. Zala calme, ok, de quoi inaugurer, Zala calme. Mais quand le chef arrive sur le terrain comme ça, ce n'est pas ça. En tout cas, pour moi, je suis désolé. Tokoma qui n'a pas de canne, moi, là, ta chemise à Pembe Zate. Bah, on va en dormir en haut. Quoi? Nyovite, surtout bien en haut. Ah, Nakin, Kuna bien en haut. Bah, beauté, bah, tchara, n'a élo. Faux de teint. Faux de teint. N'est-ce pas, mon frère, Soro Bimi? Neti basi akuna en tout cas bandao so basu ba fo de tente et sensei ga bimi na kana nzela atelmi ka be pendant 2 minutes fo de tente elo osuka papier le ki sikabwe donc dire ba uti ko sala maquillage est-ce que c'est normal sur la t-chemise à pembe il fait comme un rouge tu fais comme orange c'est normal vraiment c'est très difficile c'est le photo pesa raison c'est très difficile tu fais ça n'a ni raison tu peux faire raison. Nani. Ndima kaka tu peux faire raison. Nani tu peux faire raison. Ndima kaka. Nani, na ko ndima nani muto on habite tu peux faire raison. Mipi kapinga tu alobi ke Félix Sazan m'ont dit pour ndenge bakasayen bazo supporter et pour ndenge kuna ba conseil na bazo iba mbongo bazo ko kosala musalate. Non, bibi peut-être ndem taza maudite. Ça je vous l'ai dit, peut-être ndem tazali maudite. Le président Félix Tshisekedi n'est pas maudit par le Kassin et il n'a pas été maudit. Nous avons été sur place. Il est évident par rapport à la vitesse, Moussa Falare Salama. Nandenge réalité Zalari quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au Kassai, même le président n'était pas d'accord. Et aussi la population aussi n'était pas d'accord. Vous comprenez à Kolbaki non, Misala Oyo. Ça a été déjà lancé parce qu'il y a d'autres travaux qui ont été lancés pendant 2021, pendant 2020. Les travaux, il fallait ça là 6 mois, une année en dambou. Mais si les travaux n'ont avancé même pas à 30%, même pas à 20%. C'était quand même normal. Quand le chef arrive, même dans Mbandaka, quand le chef était arrivé, la population mbandakaise était très fâchée par rapport à la propos à gouverneur. Gouverneur lui que non, tous en courant, tous en maï. Mais la population a dit, t'es courant, exacte. Et le chef de l'État a voulu savoir, il s'agit de quel courant. A tout nié, papa, gouverneur. Yo lobi nanga courant, ezali. Mais la population a dit, non, courant, ezali. Te yébi sanga courant, oyo lobe, ezali courant. Ni ni ndeska yé kobeta, lui que non, ezaba lampande. A benga ngopena na kimongo, ezaba lampande. Donc, le gouverneur confondait la lumière, l'éclairage public avec les courants proprement dit. Ouais, un peu. Et de la même manière, quand le chef est arrivé, le Kolem Tazali qui a incarné vision principale, il y a Congo Mobimba. Mais quand il arrive sur le terrain, si hein, ça ne va pas, population, il faut en manifester Yango. Mais je ne vis aucune part où la population a insulté le chef de l'État. C'est un chef de l'État qui est non, Ozali maudit. Non, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ton Bibi Kapinga tort. Non, mais elle a tort. Elle est maudite. Il est maudite. Si Bibi Kapinga a les images au chef de l'État, au Kitaba, c'est que non. Tu maudis yo parce que Nzela est silité. Tu maudis yo parce que Nzela est maboulou. Tu maudis yo. Mais attention, à Mbujima aussi, il y a eu de nouvelles routes construites. Oui. Bien que, ma route phare, telle que les Ali Kolonga Mbujima et Kokeneti, Nabaka Beyabuka Mwangala, Kokeneti Nabaka Nanga, de Moussala et Malo, oui, Salamite. Mais dans quatre villes de Mbujima, il y a des routes construites. Il y a pierre, il y a béton, il y a bitume. Nous sommes passés par là. Voilà ce que moi je peux dire. Merci. Comment se porte Idepes Mikolo? Oui, Idepes Mikolo, ils ont porté très bien, surtout avant Nangoya Sika, il y a l'unité. Mmh. Je sais que j'apprécie, oui. Enfin, Idepes, il y a l'unité. Oui, Idepes, il y a l'unité parce que. C'est à l'unanimité que le pouvoir du secrétaire général Augustin Kabuya a été renforcé. Mmh. Pourquoi je dis ça? Parce que je vis toutes les figures
Oyo Bazala qui peut être hostile envers lui hier. Je les ai vus. Bangonion Sokozala ensemble. Na le secrétaire général Augustin Kabuya. Kuna na Congo central. Et si Kanini, Bakendai Kosola, malheureusement. Moi, je n'étais pas là parce que Tozala qui na Nambujimai. Donc, on est rentré seulement avant-hier. Mais j'ai apprécié cette initiative. Moi, il y a une minute auto qui n'a pas d'élection. On n'a pas besoin de distraction. Non. Donc, les linges sales doivent se laver dans la famille. Donc, en famille, dans la maison, dans la chambre, ou ça, au salon. On doit les laver. Et, acte O et Salamiwana, j'ai qualifié le secrétaire général d'un rassembleur, mais aussi d'un bon papa. Parce qu'il a voulu mettre tout le monde d'accord. Et c'est tout le monde qui était d'accord. Je vis les photos. Je vis les vidéos. Je n'ai vu personne qui a contesté. Vous comprenez? S'il y aura des contestations par après, moi, je vais m'acharner à ceux qui vont contester après cette activité-là. Vous savez pourquoi? On doit éviter l'hypocrisie. Si vous ne voulez pas quelque chose, dénoncez-la sur place. Mais ça, c'est que nous, côté, nous avons dit que c'est ce que j'ai donné comme réponse à un combattant. Mais, président, le Seigneur Kabuya Basalinga bien. Est-ce que toi tu dépasses ceux qui ont été là-bas? Tu me parles, moi, Gustave. Qu'est-ce que je représente par rapport à tous ceux qui étaient là-bas? Non, c'est logique. Il y a eu toutes les tendances. La forme a été respectée. Selon la composition un CDP, Convention démocratique du parti, ça a été respecté. On a vu les ministres, on a vu les mandataires, on a vu les fédéraux, on a vu les sénateurs. On a vu les députés. Ce qu'on robot yani. Tout le monde était, toutes les structures ont été représentées. Et ma camionne, c'est salami, ce n'est pas le CG qui a imposé. Il y a eu un consensus. Il y a eu un arrangement de la part de Batnyo Sobazala qui n'a qu'à. Donc, à minute, Moutou, ouais, à Kobi, m'a dit qu'hôtel les Mélanga, n'a hôtel les Mélaye. N'a hôtel les Mélaye, pourquoi? Parce que s'il fallait revendiquer, la revendication devrait se faire là-bas, dans le Congo central. Kinshasa Zali lié à revendication T. On n'a pas besoin de désordre ici. Moi, je viens de Mbandaka. J'étais là en Mbandaka. J'avais trouvé un désordre. D'ailleurs, j'avais appelé le CG. J'ai appelé même l'OPA. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des malentendus, Batumoussou Siabouzo va profiter d'un mot pour fragiliser le parti. Or, le chef de l'État aura aussi besoin, il y a ma voix à l'UDPS. Et l'UDPS, il y a un mot en tant que parti politique, pas ministre, pas député, n'aille. Mais tu as député, tu as un désordre dans la carte Nabiso. J'étais à Mbujima ici. J'ai trouvé des fissures terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a des tendances gauche-droite, gauche-droite. Mais avec ce qui vient de se passer dans le Congo central, je pense que c'est le nouveau souffle et c'est un bon départ pour l'unité, pour permettre au secrétaire général de bien travailler et viser comment est-ce que l'UDPS pourra être le tout premier parti politique et avoir un député Bélé Koleka. Parti politique Nyons. Parce que moi, mon souci, même si nous n'aurons pas nous-mêmes l'UDPS la majorité, mais que nous ayons plus de députés plus que les autres, pour nous aussi participer dans le gouvernement, oui, pour Salama, il y a Union Sacrée 2, oui, pour Salama, tous les députés Bélé et permettre à nos combattants Bélé, qui sont dans Moussala. Donc moi, je ne peux qu'encourager le secrétaire général Augustin Kabuya à peine à jeter les fleurs et Bélé ma case. L'homme peut avoir ses faiblesses, il peut avoir ses erreurs, mais j'apprécie sa politique. Je vous dis, moi, j'apprécie... C'est quoi sa politique, Kabuya, aujourd'hui? J'apprécie sa politique. C'est laquelle? La première des politiques, il y a le secrétaire général Augustin Kabuya, c'est d'attirer tout le monde auprès de lui. Oui, c'est un rassembleur aujourd'hui. Il a rassemblé tout le monde. Merci, aujourd'hui, félicitations au CG. Vous savez qu'à l'époque de Kabound, Jacquemin Chabani n'a pas été nommé. Il a bien voulu sûr. Même être nommé à ta ministre, même à ta bourgmestre. Azala a nommé, mais aujourd'hui, il est conseiller. Du chef de l'État. Voilà. C'est grâce à l'option managériale, il y a Augustin Kabuya. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui, le Léo Bazali nommé, le Kola mandataire. C'est en logique. Et le lot, quand d'autres personnes disent que non, Augustin Kabuya, les Arabato, Bazali, Nzinga, Nzinga, Naende, Moutou, Azali, Kopistone, Bango, ça fait partie aussi de la politique. Là, je parle en tant que légaliste. Au même moment, je suis en train de me dire que le légaliste va comprendre. C'est ce qui a manqué à Kabound.
Kabound a pénalisé tous ceux qui lui avaient amené au pouvoir. Et a créé ma nouvelle classe politique. Parce que ma nouvelle classe politique, on a créé qu'on a été des faibles. Tant que le film est lié, à quoi il faut résister. Même nous autres, si nous l'avions défendu, c'est parce que si je n'étais pas cadre du parti, moi je n'allais pas défendre Kabound. Je n'allais pas le défendre. Je le défendais en tant qu'il faisait partie de la hiérarchie. Je ne savais pas qu'il y avait l'anguille sous roche. C'est ainsi qu'on l'avait défendu. Mais après, on a compris que Moutassia Boumissa est déjà au salaire à bord. Mais ce qui est vrai, l'alliance pour le changement. Je reconnais que tu es vraiment loyal et légaliste, puisque je n'ai plus le temps de vérifier cette vidéo, au cours de laquelle, c'est une émission au cours de laquelle, au tournant, il y a 2 ans presque passé sur Edem TV officiel. Au début, il y a Makamba Kabuya, Kabound. Peter Kazadi, tu es resté légaliste et tu as dit ce jour-là dans l'émission que toi tu soutiens Kabuya, Kabound. Non, Kabound, Kabuya. Oui. À l'époque, et toi tu les as soutenus. Non, je les ai soutenus, mon frère. Non, tu es vraiment cohérent. Non. C'est ce que j'apprécie chez toi. Mon frère, je vous dis, c'est ça aussi être un homme. Vous savez, moi je peux aujourd'hui accepter peut-être, j'étais en Boujumaï. On était avec certains amis comme ça, Bandi qui critiquait les CG Kabuya. CG Kabuya. Ils m'ont appelé même kabouiste. Ils m'ont dit, Alongana Yogutolia, Bambonga Kabuya, Banin, Banin. Je leur ai dit, non, je ne mange même pas un différent. Bon, malheureusement, aux attaches de quartier, non, mon frère, non, écoutez. Ce matin, pendant que je m'apprêtais pour Nanaya, on a écouté un combattant, mon co. Dieu m'est témoin. Les combattants me disent, ah, président, tu te zèles, tu as ton profiteur, tu as la simana. Mais il y a une réponse, tu as la réponse. Alobi, Nangaï, Alobi, mandat, moi, comme il y a aussi là. Tu as ta poste, n'a rappelé na discours Nangaï après la prise du pouvoir et le président Félix Tshisekedi n'a pas parlé mort debout. Ce bozong ici barang Nangaï ben mission Nangaï 2019 tant que le président Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. J'ai disais aux combattants ceci. Bomoni na mandat o ya liboso o. Ce n'est pas tout le monde qui va travailler. Il y a d'autres qui vont travailler et il y a d'autres qui vont travailler les six premiers mois. Il y a d'autres qui vont travailler la première année, les autres la deuxième, troisième, quatrième. Et il y a d'autres personnes, oh, 5 ans, c'est à présent, Félix Tshisekedi aussi là-bas travailler, peut-être va travailler dans le deuxième mandat. Peut-être que j'ai prophétisé sur moi-même, sans le savoir. Non, j'ai dit, c'est un combattant, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. C'est un cosy n'a bien dit la moutouke tout en matin à ça l'accident. Non, je te l'ai dit. C'est pour te dire la véracité de mon cœur. Il y a certaines choses on a supporté. On a dit na moni la roba tebele ba moni la kayangote. Je me dis bon. Si cela n'arrive pas, peut-être que je prophétisais, je fais partie à l'eau et à Batou Oyo, bah se retrouver dans le premier mandat. Papa Olobi Mingi. Peut-être dans le deuxième mandat. Na komi kosi si mission. Mais malgré ça, je vais postuler. En tant que député provincial, voilà, t'as l'icône Boyi. T'as l'icône Boyi à te. Bah, tu as combien dans la liste? Pour poster le coup indépendant, tu as combien dans la liste? Na wapi? Na IPS. Chang, il y a Paul Chilumbu, il y a Paul Chilumbu, wapi? Paul Chilumbu, là, na Changoutin. Il y a comment na nini na ma campagne, là, na Changoutin. Il y a moi, na ma campagne. Yo, comment tu as Paul Chilumbu, Libaya? Eh, na bien, na moche, Libaya, n'engenini, Paul Chilumbu, yaza. Azalara élu député national. Yemoko Azawana, à Olandanga. Moi, je bâtis campagne pour lui. Il m'avait donné combien? Paul Chilumbu. Et jusqu'à ce jour, combien m'a-t-il donné? Combien? Je suis parmi les gens. Chibalabala est là. Chibalabala est là. Tika. Nalobi, Chibalabala est là. Nalobi, je suis parmi les gens de l'UDPS. Oyo aye n'a présenté et pas ma combattant. Il m'a donné combien? Rien du tout. Donc aujourd'hui, le lot Oyo, je vais postuler. Je vais postuler. Attends, ce qui est comme Robi Maté dans la liste de paix, je vais postuler. À comment la structure d'ailleurs? Nabi, je serai élu. T'es dans la structure, t'es, je serai élu. Dans la structure, quand mon corps, Azafati. Il y a tant mort avant le président Félix Tshisekedi comme président de la République, bon, on a essayé ces là. Merci. Et puis Azafati, Botibana et Bélé. Les gens m'ont amassé, tu sais, ma beauté.
C'est bon. Donc, je serai élu député. Je serai élu député. Député provincial. En 2023. Je suis en février. Volume 2, il y a balle de match. T'as là, Jantini Ngobila. Keba na yo lisusu. Le deux Dipon et Dipon. Jantini Ngobila, Dipon. Jekoko Mulumba, Dipon. Bakendo Fundangai. Peut-être va y avoir attendre sous une définition à Dipon et Dipon. Bakendo Fundangana qui peut expliquer. Les deux Dipon et Dipon font la honte du président ici dans la ville province de Kinshasa. Jantini Ngobila, la priorité à Kinshasa ici, ce n'est pas casser. Le table des mamans, c'est de ne pas brûler les histoires des mamans qui vendent. Mais vous cassez les histoires des gens, vous brûlez les histoires des gens. Bah maman on a, ils ont acheté les tables à niveau à marché central. Gentina bengana bango, si le lobe a la place au kendoté, kate bazo luka moyen de vivre na bango. Dans la période électorale, Bobi a dit que Tumbabilo qu'on a bango, ce n'est pas ça la priorité. Gentini Ngobila na nani 48 euros, je koko Mulumba. Oh, ils veulent cacher leur incompétence, leur saleté derrière Bobilo qu'on a maman. La priorité était de nous faire le tirage, tirer les caniveaux. J'allais vous applaudir. Et aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai fait 3 heures du temps dans cela parce qu'il y avait un embouteillage terrible. Incapable de résoudre les problèmes d'embouteillage. Incapable de résoudre les problèmes, il y a Kirache. Incapable de résoudre les problèmes, il y a ma poubelle dans cela. Il y a des poubelles partout. Les choses qu'ils devraient commencer par évacuer, ils vont nous embêter ici. Attention, nous allons vous mettre. Moi, je vous maudis. Je vous maudis. En tant que citoyen congolais, je les maudis. Ils ne peuvent jamais faire souffrir la population qui noce comme ça. Je n'y retire pas ce langage ici. Je les maudis. Donc tu m'as dit à mon dire qui. Et je regrette d'avoir été dans une province où Jantini Ngobila et Jekoko nous ont dirigés en tant que de gouverneurs ici. Ça se joue avec les gens. Se joue avec les gens, mon frère. J'étais là, je voyais comment les gens insultaient aujourd'hui le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a l'embouteillage. Est-ce que c'est le chef d'État qui devrait faire la réglementation routière? Non, c'est logique. Trop, c'est trop quand même. Les incompétents notoires. Dipon et Dipon. Je ne suis pas responsable de ces propos. Je suis responsable de mes propos. Qu'ils aillent m'accuser. Je vais leur expliquer le film des Tintin et qui sont Dipon et Dipon. Non, vous voyez que ça va être Dipon et Dipon dans l'inga, la chose des Alarani. Est-ce que ça injure? Retirez-les. Ils injurent. Est-ce que ça injure? Dipon et Dipon. Ils allaient combo, il y a un personnage ni balai. Oh, bah ça, la film, un dessin animé à Tintin et Milo. Tu comprends pas ça, Tintin et Milo? Dans le but, ils allaient Dipon et Dipon. Je veux leur expliquer ça. Parce qu'ils n'ont pas de fond dans l'aïe. Comprenez pas qu'ils n'ont pas de fond. Parce que le lobe, dans ce moment, le lobe, il va fondre, mais incapable de assainir la ville province de Kinshasa. Mbongo, bah, tiens, là, ils sont à Minda, Noël, Nabo, Nané, on a pas de ça, là, bah, courage, t'es. Gentili Ngobila. Alors, ça crée. Barry Kolomola va fouler les autres traîner dans Zélaté. Non, c'est logique. Les présidents ne peuvent pas se faire insulter comme ça parce qu'il y a des incompétents au sommet de la ville province de Kinshasa. Les incompétents. Je le répète, vous êtes des incompétents, vous deux. Dipon et Dipon. Ozobanga. Zembo Yembi, Ozobanga. Ça fait très mal. Route on a 200 mètres, 300 mètres, va kosi batu. Kushi ya mabanga, ba boka 5 cm. Donc sur le tchebo bendi be mabanga o mona na se. Ce que batiki yango tangu bambu le koyanze le bukani ba kosa chef de l'État qu'on avait dépensé autant de tonnes de caillasse. Mboulande mimiangwe kena yango. Biso ba zo bana bino. Ba zo bana. Na zo bande la moussala wana. Ya pon, entre wana ya, ya robodouen. Ba aussi y son. Ba aussi y son. Ba aussi y son. C'était pour moi un grand plaisir. Ya représenter mission. Pour mon délizo silé la. Na zo sa courage à retenir la mission. Mon cher méchant mabé. Je te le dis sincèrement. Méchant mabé.
Donc, mon soeur gentil ngobila, na je koko balé. Soeur gentil ngobila, na je koko basala it bana nangai. Fimbo, na lingai na beta bango. S'ils étaient mes enfants, nanga na beta bango fimbo. Kole kakutu mwona bimi l'échec à l'échec na classe. Eh? Donc, fimbo et si si boe pili pili na misu, kota na chambre, liate. Mais je vous dis, ils ont, parce qu'ils ont tapé à côté. Ils font souffrir le dé, la font souffrir la population quinoise. Oui. Bon, nous avons dit la banzelate pour les épargner contre les accidents. Oui. Oh, moutarokouf à accident. Mais vous savez combien de gens qui meurent chaque jour parce qu'il y a les embouteillages. Ba meme na mutu ka ba kene na hôpital ambutaine da kufi na nzela ambulance zangi na sika ya koleka ça c'est jouer avec les gens ou comment au lieu que vous puissiez vous limiter là-bas aussi c'est le batou marcher té ti le loin capable aussi de se marcher gentil ngobila bato ba té kana nzela bo benga na bango bo ebisa na la police so e momoni mutu até ka bo kangiye alali na kacho lobi na tango bo bimise bo tiké na biloko na kende ko débris ailleurs. Non, je ne comprends rien. Marché zaté. Mais du moins, il y a des gens qui sont dans le coin. Mais non, il y a des gens qui sont dans le coin. Il y a des gens qui sont dans le coin. Parce que vous connaissez l'accident dans le coin et aussi l'étouffement et consort. Pas de problème. Mais si vous avez des gens qui sont dans le coin, il faut que vous avez des gens qui sont dans le coin. Yoka, tu sais, récemment, le président Tshisekedi était dans le Bas-Congo. Bon, Congo central, on a dit ce matin, Mazaïre. Bon, dans le Bas-Zaïre, Fachi alobi na batuke to ye poto bengana bino mbala moko awa teme ya motolongo la bino esengeli to bongisela bino bisika ni boko kende ça c'est maloba ya Fachi. Oui, siko ba representant ya Fachi bango bazo bengana bato mais bazo bongisela bango bisika ba kende te. Il y a deux gens qui n'aiment pas les présents Félix Tshisekedi. Moi je le disais banda kala que Gentil Ngobila combat poliment le chef de l'État, je le disais. Les gens ne me croyaient pas. J'ai été même indexé par mes propres frères au Moussoussou, parlementaire de Moussoussou, à Ida Pes. Ça, nous connaissons le monde. Parce qu'ils prennent des 200 dollars, des 100 dollars sur Gentil Ngobila. J'ai été taxé, vous comprenez. Mais aujourd'hui, c'est noir et blanc que Gentil Ngobila et celui-ci, Jekoko Mulumba, combattent le chef de l'État poliment. Merci. Ce qu'on a dit, récent propos, il y a Jekoko Mulumba. Nazara na IDPS na pe perdre na longa rapo na boy na MNC na longa rapo na boy, mais il s'en fout de tout le monsieur là. Est-ce qu'il peut nous faire les bilans aujourd'hui? Il y a opération zéro épave. Mais tout quand nous so bakanga na nzela na, c'était des épaves. Bon, si c'était des épaves et kenda wapi? C'est logique. Merci. Et l'État a bénéficié quoi? Na bloko wana. Ba pièce ba mituka ba épave na kenda. Est-ce que ba kenda ko bwa ka ngwe sika ba région salamaka? C'est de n'importe quoi. Bateka yango, est-ce que bakenda ko teke yango ata ba izune sala ba barre de fer comme ça, ba pesa l'état ba barre de fer ya ofele to tongela yango banzila. C'est de n'importe quoi. Beaucoup. C'est de n'importe quoi. Merci beaucoup. On ne va jamais accepter ces histoires en 2023. La population quinoise, aucun député provincial y a législation haute en 2023. Que Dieu bénisse. Et puis nous avons préparé Gentil Ngobila, nous avons préparé déjà ba mère oignon so ba père oignon so ba tumbi biloko na bango to bongisa journée to banda marche to préparé déjà to ça la ba rassemblement marche ton dimito longo na nzela Gentil Ngobila sili se la biso marché central au moins si Gentil Ngobila a obika kaka parce que mutema mnene na le président Félix Tshisekedi de l'équipe makasi. Ce président Félix Tshisekedi d'avait pena tia pena mou isou pena ya bola Gentil Ngobila mou kouma kouta na bolo koti. A koti boloko, a fouti batou nyon so anna ba pénalité. Mouen batou tout mandor te kana ouinza na fouta mou ba pénalité na ba ou. Parce que ces gens là avaient acheté des tables. De l'eau babima ba ou te kate. Babimi sou na balabala, Gentil Ngobila ya tumbi biloko na bango. Yaki. Zambé malamou. C'est jouer sur le chef de l'État. Zambé malamou. Quoi, ba pe sa. Maloba na bato ba pe perdre ya ba lamuka hein ya ba Moïse Katumba na mondenga Félix Tshisekedi dans la bino. Ils veulent rapprocher le président Félix Tshisekedi na comporté mais Joseph Kabila. Joseph Kabila n'avait pas un cœur mais le président Félix a un cœur. On doit savoir faire la différence. Merci beaucoup. Tokota Nimbala Simoya. 10 points et 10 points. Messieurs, dames, tangue coquille.